Et vu ton nom, j'avais peur. Le petit scarabée du désert. C'est un sprinter celui-là. Allez, le Paris-Dakar, on y va. On est déjà à la 5e étape. Allez, on continue. Oh, un brindis, que va-t-il faire? Oh, il tourne à droite et finalement il retourne à gauche. Et il fait demi-tour, oui. Et il va peut-être accélérer. Non, toujours pas. Là, il y avait une autre brindille plus intéressante par là-bas. Et hop, on va voir Cécile. Et puis il y en a un autre là-bas qui est loin derrière lui, mais pas trop en même temps. Il va bientôt le rattraper. C'est dangereux là, il risque de perdre sa première place. Oui. Alors, va-t-il tourner à gauche ou venir affronter le genou monstrueux de la montagne sacrée. De la montagne humaine devant lui? Ah, il passe en dessous, c'est une autre stratégie. Mais va-t-il ressortir? Et il y a le sprinter derrière numéro 2 qui se rapproche dangereusement. Mais que va-t-il faire? Mais où est-il? Je ne le vois pas. Ah, il est là, je l'ai. Il a décidé d'affronter l'autre montagne. Et peut-être va-t-il y arriver? En combien de temps? C'est là la question. Et non, il fait demi-tour. Il ne choisit pas l'affrontement. Il choisit la fuite. Et là, c'est le drame. Et l'autre, il est où en fait? Attends. Oh putain, il m'a grimpé dessus. Alors, voilà, bon, bah, il avait choisi l'invasion, donc je l'ai rejeté violemment. Et il revient à la charge. Parce que même pas peur. Ah, un petit creux qui va l'arrêter. Il galère, il patauge dans la semoule, au sens propre. Ça y est, le voilà qui a franchi son obstacle et il reprend son sprint complètement contrôlé. Il rame un peu, hein, quand même. Mais il est un peu sonné, là, quand même. Il va rejoindre sa première trace. Non, il choisit de tracer un nouvel obstacle. Vas-y, mets le starter. Turbo, accélère. Et non, finalement, il décide de passer par-dessous la dune. En fait, c'est pas vraiment un choix. C'est un vrai labyrinthe. Mais c'est un vrai labyrinthe, alors. Ça y est, il est remonté sur la montagne. Va-t-il retourner vers la montagne sacrée? Non, il préfère... Il réfléchit et il passe juste à côté. Bien joué! Il a réussi! Ouh, où en est? Et nous le laissons poursuivre son chemin solitaire. Attends, il y a numéro 3. Où est le numéro 2? Il y a numéro 3! Le numéro 3 arrive! Il s'est planté de chemin! Ou peut-être il a pris un raccourci ou un rallongi, on ne sait pas encore. Il fait demi-tour et encore demi-tour. Il n'est pas très sûr de lui. Hein. Nous le voyons qui s'éloigne dans le soleil couchant sur la dune qui ondule d'une couleur mort dorée. Et là, à gauche, boum, dans le trou. Mais c'est un gros casse-cou. Il traverse le trou en 3 secondes et demie. Et il poursuit sa course vers le bas de la dune. Bon, et là, je crois qu'on va peut-être arrêter. Numéro 1, ouais. Ça va, on va arrêter. Allez, numéro 4, là, c'est bon, là. Hein. Pas besoin de garder de la mémoire. Hein. Allez,